Premier ministre AIA Claude Joseph, dans une conférence pour la presse, a encouragé peuple haïtien pour aller voter pour causer référendum. Le Premier ministre a profité à ajouter dans ça Haïti trouvé le jour aujourd'hui, c'est celle façon nous-mêmes en tant que peuple haïtien nous capable de retirer pays à dans ça qu'il trouve là. Il a encouragé peuple haïtien que bataille Haïti a menée, c'est pas une bataille qui concernait seulement président, ni c'est pas une bataille qui concernait seulement autorité dans pays à, mais son bataille qui concernait tout peuple haïtien en général. Premier ministre a ajouté tout que référendum nan c'est pas un bagage que peuple haïtien Jean yo prend lan li pas comme ça yo supposé tande leader et qui a vinn fait des conférences avec yo yon façon pour yo capable comprendre malgré nous référendum nan divers départements déjà aprilé en moi derrière causé cela et nous te même aller plus loin pour nous secteur diaspora li même yo même tout te sorti yon note pour dire que yo même yo pas nan causé référendum qui président Jovenel Moïse voulait mettre en dans pays a yo fait connait que référendum ça c'est une façon pour président capable établir une dictature en dans pays a et yo même yo pas besoin bagaille comme ça. Quant à pour et opposition lui-même nous capable à clair comment yo même y a coupé y a raché y a bloqué pour causer référendum nan yo fait connait yo même causer référendum ça yo pas connait et yo pas connait tout président Jovenel Moïse en tant que leader pays a yo même yo pas nan causer référendum si là nous parle qui toi comment ça tire nan micro la presse et vient premier ministre lan a Claude Joseph qui tabay yon conférence de presse yon façon pour capable sensibiliser peuple haïtien pour al voter pour retirer pays a nan ça li trouver le journée jodi. Nous allons laisser regarder Jean nous voulons mais avant même que nous laissons visualiser vidéo a quitter nous prendre quelques secondes pour nous saluer et puis remercier ou même qui a regardé vidéo aussi là ou même qui déjà abonné avec page là et ou même qui toujours a partagé chaque vidéo nous quitter sous channel là. Faut nous dire l'or fait ça ou vraiment montrer nous engouement ou gagner dans travail ça qui n'a fait ya. Alors ou même qui abonné avec chaîne là déjà n'a dit merci et ou même qui a regardé vidéo ça qui peut-être beaucoup abonné avec chaîne là n'a invité ou abonné avec chaîne là pour une façon pour nous capable agrandir communauté Genangia. On regarde comment ça tire dans micro la presse et puis après n'a tourner pour plus analyse. Donc à soir on va discuter ensemble mesures de sécurité au centre de voiture qui pourra permettre que nous réalisions deux grands chantiers que nous connaissons. C'est le référendum constitutionnel avec l'élection. Vous connaissez que nous n'avons pas qu'à engager et réaliser deux chantiers sans support police nationale. Donc c'était un plaisir pour nous de voir à quel niveau la police nationale est motivée pour nous engager nous sur deux chantiers ça yo et pour nous réaliser yo pour nous permettre que la population yo même dit oui ou non d'abord à référendum là pour une nouvelle constitution et ensuite pour nous organiser le premier tour et élection législative avec présidentielle et ensuite deuxième tour. Donc nous t'es ensemble débat question sécuritaire. Nous avons gardé centre de vote. Centre de vote qui passe de centre de vote à risque, c'est pour ça que nous avons gardé centre de vote qui est dans une zone vertueuse. Nous avons gardé centre de vote qui est dans des zones et probablement qui a un petit problème, mais certainement que la police nationale a sécurisé ça, nous avons gardé centre de vote dans une zone junior et nous avons gardé centre de vote qui gagner un risque sur eux qui est particulièrement dans sa nouvelle zone. Fort heureusement, la police nationale, là, avec le conseil électoral provisoire, il y a travail pour sécuriser tout centre de vote pour permettre d'exprimer librement dans deux élections sérieuses. Dans deux scrutins, ça. Scrutin, ça n'a pas le référendum constitutionnel là, et élection. Moi également féliciter la police nationale, là, particulièrement DGPNH là, qui présentait à gouvernement
qui présentait également à Conseil électoral provisoire un plan national intégré de sécurisation du référendum concessionnel du 27 juin 2021. Travail ça, c'est un résumé, si vous voulez, de 10 plans de sécurisation pour 10 plans qui présentés par chaque directeur départemental et de sécurisation référendum constitutionnel. Moi, très optimiste comme Premier ministre AI sur deux chantiers. Moi, très certain que la population a gagné une opportunité en toute sécurité pour l'exprimer. Alors, comme dit, malheureusement, ça empile dans nos apports ces côtés de contestation au niveau des battements, mais nous parlons également côté d'un bon débat qu'a fait. Ces acteurs font appel à tout le monde dans tout le département qui a débat fait. Convaincre nous soit pour voter oui dans le référendum ou bien voter non. Pas craser le débat ou bien pas mon petit téléphone dans le smartphone pour camper de l'offre de faire oui pour poster sur tous les réseaux sociaux comme quoi que n'y a pas rien qui a fait là, le référendum a craser dans tout le débat ou bien l'initiative a craser dans tout le débat. Donc en nous plus tolérants l'un à l'autre parce que son exercice démocratie. Pas oublier, c'est pour un décret qui prend pour yo gagner une nouvelle constitution, parce que c'est illégal. C'est un référendum qui va le faire pour nous doter pays de une nouvelle constitution. C'est pour une modification qui va le faire de la constitution qui est là. C'est une nouvelle constitution. Donc, il est important pour nous permettre de participer dans des débats, pour nous permettre de nous voter. Si c'est non qui votait, ça veut dire tout simplement que le peuple n'a pas voulu notre référendum. Pas voulu notre constitution à travers le référendum. Si c'est oui, ça veut dire que le peuple a voulu notre constitution à travers le référendum. Qui donc ça pour nous permettre, mon Dieu fait, c'est voter. Quittez, on finit rapidement pour nous. Moi-même qui devant nous là, moi c'est un premier ministre pour un petit bout de temps. Constitution PIA fait que le maximum de temps que nous avons passé dans la tête primature là, après le président a fait accepter démission PM Jout pour convenance personnelle, c'est 30 jours. Moi j'étais 4 jours. Qui t'a lancé appel ça à tous les amis, frères, ceux qui sont en opposition. On ne peut pas quitter l'opportunité de passer. C'est une opportunité pour nous saisir. Pour ensemble, la présidente de la République, là, pour nous chita, former un gouvernement d'union nationale qui a pris en tête un autre premier ministre, un premier ministre définitif. Ça permet que nous facilitions la tâche là, à Conseil électoral provisoire, à la police là, à tout le monde qui est impliqué pour nous permettre de réaliser deux grands chantiers. Merci parce que nous nous déplacer mal de temps. Et nous disons que rencontre jeudi à ce qu'on réussit et moins niveau motivation police nationale là pour nous vraiment engager et réaliser les deux chantiers. Sécurité. Nous avons gardé 102 voitures. 102 votes qui passe de centre de vote à risque, ça vous semble d'arriver centre de vote qui est dans une zone vertue, on a gardé centre de vote qui est dans des zones et probablement qui a un petit problème, mais certainement que la police nationale là a sécurisé centre de vote dans une zone junior et on a gardé centre de vote qui gagne un risque sous eux qui particulièrement dans sa nouvelle zone. Fort heureusement, police nationale là, avec conseil électoral provisoire là, il y a travail pour sécuriser tout centre de vote
pour permettre mon yo exprimer yo librement dans deux élections ça dans deux scrutins ça.